On va vous expliquer le fonctionnement général du robot, puis nos choix de conception, puis qu'est-ce qu'on a décidé de placer où et pourquoi. Puis on va finir avec nos recommandations aussi sur la compétition après avoir fait notre centre de construction. Donc l'objectif, c'était vraiment de trouver les concepts, puis d'essayer d'intégrer ça le mieux qu'on pouvait après dans le temps qu'on avait. Donc au début, on avait ciblé les différentes fonctions du robot. Donc on avait de pouvoir ramasser les balles au sol, puis dans les différentes stations de chargement, de pouvoir lancer ces balles-là, de pouvoir ramasser la gear, la roue dentée, dans la station de chargement, de pouvoir déposer la roue dentée, puis de pouvoir grimper. Donc on a décidé de tout faire les principes, de tout faire les différentes actions, puis après ça, d'imbriquer ça le mieux qu'on pouvait ensemble. Donc, on a quand même réussi cet objectif pour ça. On a réussi à avoir tous des différents systèmes fonctionnels qui réussissaient à faire la tâche qu'ils faisaient. C'est sûr, il y a beaucoup d'améliorations à faire. Les capsules suivantes vont vous expliquer en détail qu'est-ce qu'on améliorait. Donc, pour ce qui est du fonctionnement du robot. Donc, après avoir fait plusieurs prototypes, on en est venu à ce robot-là. Donc, je vais commencer par l'avant, je vais aller par l'arrière. Je vais expliquer comment il fonctionne, dans le fond. Pour ramasser les balles, on a deux rouleaux ici. Ces rouleaux-là, ils amènent les balles jusqu'à un convoyeur qui est ici. Le convoyeur, c'est dans le fond trois rouleaux reliés ensemble par des courroies de polyuréthane. Et ces deux convoyeurs-là sont alimentés par des moteurs sur des gearbox planétaires. Donc, quand la balle entre ici, elle est acheminée jusqu'en haut dans l'entonnoir. Donc lui, il sert à accumuler le plus de balles possible et de les rediriger vers le débiteur. Dans l'entonnoir au milieu, il y a un agitateur et ça permet d'empêcher les blocages. Ensuite, comment le débiteur fonctionne, c'est qu'il y a une roue et elle fait juste bloquer bloquer les balles. Et quand on la fait tourner, elle les achemine dans le lanceur. Donc, le débiteur achemine les balles au lanceur. Le lanceur, il est en forme de demi-lune avec un moteur SIM qui fait tourner une roue Coulson. Ensuite, sur le robot, on a un grimpeur. Donc, comment lui fonctionne, c'est que la corde vient s'incruster dans la fente qui est ici. Et ensuite, les deux moteurs qu'on a en arrière font tourner la poulie qui est ici, et ça fait enrouler la corde, donc le robot monte. Et tout ce système de grimpeur-là est sur pivot pour qu'il reste tout le temps perpendiculaire au sol. Donc ça, c'est pas mal comment le robot il manipule les balles et comment il permet de grimper. Donc pour la base mobile, on a décidé de rester avec la base Endymar qui est un tank drive parce que on voulait pas se compliquer la vie, et le jeu de cette année, c'est que t'as pas besoin de beaucoup d'agilité, faut juste que tu sois rapide, donc t'as pas besoin de passer beaucoup de temps sur le drivetrain. Donc, c'est ce qui complète le tour du robot. Ça, au niveau des systèmes, ce qu'on voit vraiment, c'est que le système de grimpeur a été pas mal plus complexe à designer, puis c'est un élément qui, comparé aux autres, c'est pas plus facile. Donc pour les équipes qui démarrent, peut-être on recommande de ne pas axer leur temps sur ça. Peut-être y aller surtout pour le ramassage des balles, puis faire des points avec les balles, de transporter la roue dentée aussi. C'est ça aussi au niveau du but en hauteur, c'est sûr, le but en hauteur versus le but en bas. Mais on voit que le but en hauteur, ça prend trop fort moins de balles que le but en bas. Puis déjà les balles, ça prend vraiment beaucoup pour faire des points. Fait que peut-être que ça vaudrait la peine de voir pour le but en hauteur, étant donné que vu qu'il y a beaucoup de balles, c'est moins grave de manquer ses tirs. Je veux pas la quantité de balles qu'il va y avoir par terre sur le terrain. Même si vous en manquez, c'est quasiment mieux que de perdre son temps à juste tirer en bas. Au niveau de nos commentaires de fin, on a manqué que le mécanisme du grimpeur, c'était vraiment le plus complexe au niveau technique. Donc on recommanderait à les équipes qui débutent ou qui ont moins de ressources de moins s'axer sur ça, d'y aller plus pour le ramassage des balles, le lançage des balles au niveau de la roue dentée. Puis finalement, pour ce qui est du but en hauteur versus du but en bas,
Nous, on s'est concentré vraiment sur le but en haut. Étant donné qu'il y a beaucoup de passes sur le terrain, on s'est dit c'est moins grave si on manque des tirs. On va faire plus de points versus dans le voyer en bas que ça prend beaucoup plus de balles pour faire des points. Donc, pendant le tour de nos choix de conception, j'espère que vous avez apprécié. Faites en vue de vos commentaires si vous en avez, qu'on puisse s'améliorer pour l'an prochain. On vous souhaite bonne chance à tous, une bonne saison 2017. Je pense que ça va être un vraiment bon jeu cette année. Ça va aller vite. Ça va être le fun avec les. Ouais, bonne chance. L'équipe de Revoir Senteur tient à remercier l'AGEG, soit l'Association Générale des étudiants en génie de l'Université de Sherbrooke, et la firme Deloitte pour leur participation en tant que commanditaire platine, ainsi que tous ses autres commanditaires.